Gaël Kumba Ayouné, alias général du Mapan et le rappeur Hoffman de son vrai nom Edoumbé, sont depuis lundi 8 mars de nouveau en prison. Après avoir passé 15 jours de détention dans les locaux de la Direction générale des recherches DGR, ôté d'une très longue garde à vue pour nécessité d'enquête, les deux leaders ont été enfin entendus par un juge d'instruction qui, lui, a décidé de leur déferrement sous mandat de dépôt à la prison centrale de Libreville. Dans une vidéo devenue virale hier, le général du Mapan n'a pas caché son amertume et sa consternation à l'égard de la justice et de son patron Ali Bongo Ondimba. Soutenu le chef de l'État. On remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il a. Non, laissez-nous parler. On remercie le chef de l'État. On a remis le chef de l'État. On nous envoie en prison. Nous, on va en prison. Il n'y a pas de problème. On remet tout sur les mains de Dieu. Il n'y a pas de problème. Sinon, je vais mourir. On vous a dit que non, je vais mourir. Tuez tout le monde. Les deux leaders des ghettos avaient été interpellés au lendemain d'une série de bavures policières que refutent toujours les autorités. Bavures qui avaient coûté la vie à deux jeunes Gabonais dans la nuit du 18 février. Des meurtres toujours non élucidés par la justice, dont les forces de l'ordre quadrillent pourtant la capitale, notamment à l'aide de nombreux checkpoints. Ayant appelé à manifester avec une casserole contre le gouvernement, comme plusieurs personnalités connues, Gaël Kumba et Hoffman avaient été arrêtés par la police et maintenus en garde à vue.